pour ma péritu. Sérieux? Encore? Ça fait même pas un mois que j'en ai fait un. Regardez-moi ce charreau qui me vole des membres de ma garde. Et le pire, c'est qu'il se croit beau. Vous le trouvez beau? Sérieusement? Non, mais je vous le fous. 1000 fois plus. Non, 2000 fois plus. Bon, au suivant. Un truc pour mes âmes. Eh, c'est étonnant de sa part. Il serait peut-être temps qu'il se trouve une copine, lui. À croire qu'il préfère s'occuper de sa hache plutôt que de se sociabiliser. Et pour le dernier, quelque chose pour Miko. Tiens, ça ne serait pas dans sa très chère lettre. Enfin, plutôt Miko qui passe par sa boniche de service. Le gars, en plus d'être tout Miko, c'est un fantôme. On se demande ce qu'il peut bien faire de ses journées. D'ailleurs, ça me fait penser. Je n'ai pas croisé le boulet de service aujourd'hui. Tiens, le boulet de service vient t'apporter une mission. Tiens, en parlant du minelou. Étonnant que tu n'en aies pas dit plus sur moi. Mais justement, j'allais y venir. Tu es faible, inutile, très probablement stupide, et tu ne connais rien à ce monde. Ça te suffit ou je t'en sors d'autres? Et toi, tu trouves mieux peut-être. Tu passes des journées à tailler comme une pie. Une pie? Une pie, c'est un oiseau. Et dire que c'est moi qui suis stupide. Bref. Aussi, tu n'as que mon nom à la bouche. Et les cas par-ci, et les cas par-là, va vraiment falloir que t'arrêtes de parler de moi, sinon, à force, on va finir par croire que tu m'aimes. Ah, comme c'est beau d'espérer. Et, pour répondre à ta question, oui, Debra est 1000 fois mieux que toi, et lève ta nouvelle aussi, tu es littéralement hors classement. Bon, bref. C'est quoi la mission? On doit aller à Balambia pour enquêter sur un empoisonnement et Croc vous accompagne. Génial! Comme j'ai hâte de partir avec vous deux. Bon, manque-toi de préparer tes affaires, tu vas nous mettre en retard. Ah, attends, Miko veut te voir. Pour la millième fois. Ça va pas, toi? On n'a pas gardé des boucliers ensemble.